On demande ici de résoudre donc deux cos exposant 4 de x plus sinus x cos cube de x moins sinus carré x cos carré x égale 0. Donc, vous voyez que c'est une équation homogène. Hein. Homogène en sinus x cosinus x. Pourquoi? Parce que le degré est 4 pour cosinus x. Sinus x fois cosinus cube de x, le degré est 4. Et sinus carré x cos carré x, le degré est 4. Donc c'est bien. Je m'excuse, c'est une équation homogène en sinus x cosinus x 2 degrés 4. Alors, ce qui fait, bien sûr, cosinus x, pour l'opération que je vais faire maintenant, cosinus x égale 0 ne vérifie pas l'équation, c'est-à-dire cosinus x est différent de 0. Pour ça, je peux maintenant diviser par cos 4. Plus sinus x. Cos cube de x divisé par cos 4 moins alors la condition d'existence est là, cosinus x différent de 0, ce qui va donner bien sûr une constante ici, plus il va rester tangente x ici moins tangente carré x égale 0, et on retrouve une équation du second degré. Que je vais résoudre dans un petit instant. Donc on pose, je vais la remettre à l'endroit, moins tangente carré x plus tangente x plus 2 égale 0. Alors on pose tangente x égale y. Donc on a moins y carré plus y plus 2 égale 0. Delta égale b carré moins 4 fois a fois c. Donc on a y1 qui vaut moins b plus 3 sur 2a et y2 est égal à moins 1 moins 3 sur moins 2. Moins 1, 2, 2 sur moins 2, moins 1. Moins 1, moins 3, moins 4 sur moins 2, ce qui fait 2. Donc, tangente x égale moins 1, ça signifie que x égale moins pi sur 4 plus kpi. Tangente x égale 2 signifie que, bon, je cherche en degré, parce que ma machine est en degré, puis je vais reconvertir en radian. Alors, shift tangente de 2, hein, 63 degrés, je divise par 180. Je multiplie par 3,14 pour retrouver 1,1 radian. 1,1 radian.
plus capi. Là, on va vérifier ça. Je vais sur GeoGebra. Voilà, je vais écrire l'équation de cos 4. Bon, c'est, j'essaie de la retenir. De cos 4 sin cos cube moins sin carré cos carré. De cos 4 plus sin cos cube moins sin carré cos carré. Je vais essayer de la retenir pour l'écrire en une passe. De cosinus exposant 4. Plus sinus x fois cos cube de x moins sin carré x fois cos carré x. Voilà, c'est cette fonction. Alors je ferai un zoom. Alors, je vous ai dit que les solutions, c'est x égale moins pi sur 4 Bon, je pourrais mettre ceux négatifs dans les négatifs. Hein. Bon, ça m'intéresse pas de le faire ici. C'est bien, bon, c'est que c'est bon. Ça, c'est bon. Avec k appartenant à z, bien sûr. Et 1,1. Là, c'est bon. Voilà, les solutions, c'est bien ça. Je vous remercie.